Yo, salut les tontons, on est à Séville avec Léna. J'avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si vous vouliez un vlog et vous avez répondu. La chancla. Et ben on est parti pour visiter Séville. Allez, on y va. Léna, ça y est, on arrive dans les rues de Séville. Oui. Donc on vient juste de sortir. Alors on est au centre sans être exactement au centre, ça faut le savoir. Attention, ne tombe pas, mais bon, si je te ramasse la gueule, tu vois le truc. Mais no fake, c'est pas moi qui t'ai poussé. Donc Léna, on est au centre sans vraiment être au centre. On se rapproche petit à petit de tous les monuments historiques. Et il y en a beaucoup, c'est un genre de musée, on a un peu visité hier soir. C'est genre extraordinaire, ça me rappelle un peu Florence dans l'esprit. Où t'as monument sur monument. Chose jolie à voir, chose jolie à voir. Donc on va vous filmer un beau passage qui est sympa. Et puis bah, on se retrouve, on sait pas où en fait. Ciao. Mais non mais dis pas ciao. On les retrouve Hasta luego. À tout de suite quoi. Ça va, rien cassé? Non, ça va, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Oui, oui, merci, merci, merci. Pardon. Alors les mecs, ce que vous venez de voir là, c'est ce qui s'appelle le parasol. Alors, Métropole parasol. Métropole parasol, il faut être précis, attention, c'est un vlog, nous sommes précis. Moi ça me fait penser à un pain parasol, tout bêtement, parce que j'en ai plein chez moi, juste en plus moche. En fait, je suis pas du tout impressionné par ce monument, Léna. Et moi j'aime bien. Et toi t'aimes bien, donc voilà, chacun a des goûts et des couleurs, hein, on ne sait pas. Et quand même, il y a une chose très importante, je viens de choper une information sur Isitas. J'aurais entendu quelqu'un dans la rue qui a lâché un yatengaki. Non, la chancla, il n'y a personne qui l'a dit. J'ai pas entendu de chancla, mais j'ai entendu un yatengaki. Donc ce yatengaki, vu qu'on a assez vie, peut vouloir dire que le mec allait voir Isitas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On s'approche, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on commence donc avec ce premier monument un petit peu... On le met beau, on lui met combien? Moi, je lui mets 3 sur 10. Moi, j'aime bien. Bon, on va continuer, on va aller voir des choses plus anciennes et ça va être vraiment sympa. Tu vois, moi, ça me fait penser au Maroc, sérieusement. En Andalousie, il y a une jeune femme, on peut dire une jeune femme, qui est en train de danser du flamenco pas loin. Alors attends, on va attendre, il suffit d'allumer la caméra de le dire pour qu'elle s'arrête de danser. J'ai envie de te dire, c'est logique. Enfin, tu vois, si t'es en Andalousie, Léna, tu penses flamenco ou pas? Si. Tu penses flamenco, tu penses pas hieras, quoi. Le bot YouTube, on se fure devant cette chanson. L'élite, c'est assez extraordinaire. En fait, on a trouvé un Rouskov qui vit en Allemagne, qui veut aller faire un tour pour aller voir Alcazar parce qu'on peut pas rentrer normalement. Mais le Ré, c'est un Ré de qualité, qui nous a proposé de prendre une excursion. Donc là, on est complètement parti, c'est fantastique. Donc on est là, on marche à fond, quoi. Enfin, nous sommes très très rapides. Et donc on va essayer de trouver un mec qui fait une excursion. Mais bon, le mec en fait est polyglotte, donc c'est très bien, il parle toutes les langues. Il parle toutes les langues, ouais. Il est partout. Et a-t-il des informations sur Isitas? Peut-être, peut-être, on va voir. Ouais, alors là l'élite, grâce à une rencontre fortuite, on va réussir à rentrer dans Alcazar sans faire de queue. C'est assez exceptionnel, en plus on n'a pas payé grand chose pour la visite. Franchement, on est au-dessus de tout. Donc on va pouvoir visiter ça grâce à tonton Alexei qu'on a rencontré par hasard, grâce au fait que je filme le flamenco. Donc quelque part on est enfin... Là, si tu veux, Léna, c'est... Je crois qu'il faut demander à Alexei à dire bonjour. Alors, on lui demandera après. Les
canton vraiment. Si vous avez vu le Vlog à Marrakech, ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment à Marrakech. C'est super bien conservé, c'est vraiment super beau. Vraiment, vraiment sympa. Vraiment très, très joli, je recommande. Alors l'élite, je lâche une info. Dans Game of Thrones, ce serait apparemment le château de Dorne. Enfin, c'est pas apparemment, c'est le château de Dorne dans Game of Thrones, faut le savoir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le guide. Vérifiable. Bon, les mecs, on se retrouve au deuxième étage avec un style un petit peu différent, Léna. Un peu plus de jaune en fait, un style un peu plus de jaune. Un style un peu plus, j'ai envie de te dire, andalou. Ouais. Ils ont filmé Game of Thrones ici. Ouais, mais j'ai déjà dit. Mais ça, on l'a déjà dit. Mais un style un peu plus jaune, non? Donc l'élite, on a réussi un petit peu s'éloigner de la foule. Léna, tu voulais faire coucou, vas-y. Coucou. Franchement, les jardins, c'est juste magnifique. Il y a les petits oiseaux, on n'a pas réussi à tous les voir, qui chantent de partout. C'est vraiment somptueux. Et alors Léna, alors qu'est-ce qui est mieux, le parasol de tout à l'heure ou... Ça, c'est un micro, ouais, c'est génial. Non, non. Le parasol de tout à l'heure ou... Alcazar is the best. Bah alors tu valides Alcazar. Alcazar est super super beau, super joli, j'adore Alcazar. T'adores Alcazar? J'adore l'Alcazar. Donc validé. Donc si vous venez à Séville, les mecs, franchement Alcazar c'est à faire. Alors le petit truc, vraiment le petit truc qu'Alexa nous a conseillé. Bon, Alexa est parti, mais vraiment le petit truc sympa, au lieu de faire 3 heures de queue, c'est de s'engouffrer dans un groupe. On a payé 21,50€ par personne. Bon alors c'est plus cher que les 12€ de base, mais ça vous fait économiser 3 heures de queue. Quand tu restes que 2 jours, vu que nous on a 2 jours et demi, c'est quand même sympa. Ok, t'as perdu 18€, mais t'as gagné 3 heures. Donc voilà, le petit conseil Non, pas 18€. Bah de 9 x 2, 9 x 2, 18. 21, 12. Ou 12 ou 13, on s'en fout en fait. Tu gagnes 3 heures de temps et... Enfin, génial. Donc c'est le conseil Blitzstream, très pédagogique comme conseil. Génial. Bon les tontons, on a mangé oriental pour rester un peu dans le thème de l'Alcazar. Donc tranquillou, j'ai envie de te dire tranquillo, tranquillo. On va marcher, on va voir si on chope des nouvelles infos. On va voir ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression les maisons blanches là sur lesquelles on va arriver, j'ai l'impression que c'est un peu maison, tu vois, c'est un peu ce que je m'attendais en tu vois, style andalou. Salut l'élite. Dans notre promenade, en fait, de manière très inattendue, on a avancé dans notre enquête. Donc voilà les pailleras, no fake, elle est là. Il y en a plusieurs, donc voilà, de plusieurs tailles. Risita, c'était peut-être ici. Donc Risita, c'est peut-être venu ici. Et j'ai même une information à vous lâcher, c'est qu'on a rendez-vous avec Léna jeudi ou vendredi à déjeuner avec quelqu'un qui pourrait nous mettre sur la piste de Risitas. Donc si on l'a pas trouvé d'ici là, voilà, il y a déjà quelqu'un qui m'a contacté. Donc je vous en dirai plus tard. Mais on avance sur la piste. On avance sur la piste, Léna. J'ai l'impression. On avance. T'as chante là.
Il commence à faire nuit. On a dîné un peu tard, enfin déjeuné un peu tard plutôt. Donc je pense pas qu'on dîne, on va aller petit à petit vers le supermarché, se prendre un petit truc sympa à manger, des petits fruits. Et on se retrouve demain matin en plus, de toute façon on peut pas trop filmer là. Hasta mañana. Manque de lumière. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. On a un monteur Eco Plus, hein, attention.